Qui a pas gagné des blancs, des blancs, des blancs. Le bleu qui a pas gagné des blancs, des blancs, des blancs. Pour dire pour qu'il y ait pas de blancs, des blancs. Pour dire pour qu'il y ait pas de blancs, des blancs. Le bleu qui pour qu'il y ait pas de blancs, des blancs. Et quand tu es là, c'est pour qu'il y ait pas de blancs. Et quand tu es là, c'est pour qu'il y ait pas de blancs. Le bleu qui a pas gagné des blancs, des blancs, des blancs. I get blue flag, yeah, but can't they have land, they have land, they have land. Go down, oh, no problem, my dear, oh, go down, oh, no problem, my dear, oh, dear. On your supper, we are doing a supper, but one way down, I jump on your supper. I'm by your blue, oh, yeah. Nationale, celui avec qui j'ai eu l'occasion déjà d'interroger sur la chaîne TV FIDOP, Dr Boka Sakho-Gervé. C'est un universitaire essayagiste. Aujourd'hui, il est le président de la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique en Côte d'Ivoire. Boka Gervé. Docteur Boka Gervé, il est là ce soir. Vous voyez, nous avons des invités de marque. Cependant,
Je voudrais remercier tout particulièrement votre président Delmas. Ça non? Delmas. Je ne le connais pas particulièrement. C'est une de vos sœurs, madame Grundelza Catherine, qui est mon amie. Et je parlais avec elle pour lui dire mon souhait de rencontrer tous les Ouais de la diaspora. C'est comme ça qu'elle m'a mis en contact avec le président Delmas et qui m'a dit que vous aviez ici même vos conclaves avec cette grande soirée. Vous savez, chers parents, c'est vrai que c'est un moment de gala, mais je voudrais demander une minute d'attention parce que je vais être maintenant sérieux. Notre pays a connu la guerre et ce n'est pas le moment de remuer le couteau dans la plaie. Mais tout le monde sait que la région de Guémon, Diokwe singulièrement, mais aussi le Kabali, ces deux régions ont payé le lourd tribut de cette guerre que notre pays a connue. Comme la Bible nous l'enseigne, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'issue des dernières élections présidentielles, m'a fait l'insigne honneur de me confier le micro. Un département ministériel aussi sensible que celui de la réconciliation et de la cohésion nationale. L'heure de la paix a sonné. Le temps de la réconciliation a sonné. Nous ne pouvons pas demeurer éternellement dans une guerre sans fin. Ça suppose que ceux qui ont été blessés dans leur âme, dans leur chair, doivent maintenant se prédisposer à aller au pardon et à la paix, à la réconciliation. Depuis 1996, Émile Constant Mbembe, oui, parce que c'est aussi votre parent, alors ministre de l'Intérieur, a initié ce qu'on appelle la Journée nationale de la paix, qui est célébrée en Côte d'Ivoire tous les 15 novembre. Le 15 novembre prochain, nous serons à la 26e édition de la Journée nationale de la paix. Quand je suis arrivé à la tête de ce département ministériel, ça fait exactement 17 mois aujourd'hui, j'ai célébré la première édition, pour ne pas dire la 25e édition, à Yamoussoukro. Le 15 novembre prochain, nous voulons proposer aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire tout entière, que nous célébrions la prochaine journée nationale de la paix à Diokwe, dans le Gémeaux. Cette fois-ci, le président de la République a voulu que ce soit en même temps la journée du pardon, la journée du souvenir et la journée de la paix. C'est dans... On est quoi? On est en juin maintenant. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Dans 6 mois, nous allons organiser cette fête. Aucun fils du Guémon et du Kabali
sous aucun prétexte, ne doit rater cet événement. Moi, je ne suis pas du démon. Mais tout le monde sait. D'ailleurs, souvent je dis à Catherine Koundé, les Ouais, la même, ils sont combien dans ce pays-là, ils font beaucoup de bruit comme ça. Surtout quand ils sont en Europe. On ne peut même plus respirer. Les Ouais à gauche, Ouais à droite, Ouais, ils sont combien même, on veut les voir. Mais le 15 novembre, on va célébrer la journée du souvenir, du pardon et de la paix dans le Guémon. Mais je me dis, comment je peux aller célébrer la journée de la paix dans une localité quand les gens sont encore dans la blessure, quand les gens continuent de pleurer? Alors, je veux écouter les Ouais eux-mêmes. Je veux écouter tous les Ouais. Je veux qu'ils me disent ce que nous devrons faire exactement le 15 novembre prochain pour que nous puissions effacer définitivement ces vieux souvenirs qui nous ont trop traumatisés. Les Ouais, il y en a dans le Guémon, il y en a dans le Cavali. J'ai été moi-même passé une semaine dans le Guémon, il n'y a pas 5 jours. J'ai été jusqu'à dans le Mont Péco parce que je voulais voir de mes deux yeux ce qui se raconte, voir la réalité du terrain et à proposer des solutions pour régler définitivement cette question en prime. Ouais. Alors, monsieur Delmas, mon souhait, c'est que les Ouais, la diaspora, m'aident à préparer cette journée de la paix par des propositions concrètes. Par des propositions concrètes de ce que vous souhaitez qu'on fasse dans le Guémon pour apaiser les cœurs de vos parents. Parce que si on doit aller le 15 novembre, il faut que tous les ceux qui vivent là-bas soient heureux. Parce qu'on a posé les actes qui les apaisent et apaisent leur cœur. On a notre cahier de charges. Moi, je n'aime pas la démagogie. Je veux pouvoir dire les choses comme je les sens. Moi, je suis Baboulé. Ma mère est Dida, mais je suis Baboulé. Je fais cette précision pour que nos parents comprennent bien. J'étais dans le Guémon avant-hier. Les Baoulés étaient là, les Webeys étaient là, les Sonofo étaient là, les Burkinabés étaient là. Tout le monde était assis. Quelles sont les conditions qu'il faut rassembler, réunir pour que la cohésion soit une réalité? Vous savez, la Côte d'Ivoire, elle doit son succès à l'agriculture. Or, l'agriculture elle-même repose sur le café et le cacao. Et vous savez que, moi je viens de Bokana, la première coupe du cacao à Côte d'Ivoire, c'est Bokana. C'est chez moi. Mais c'est vrai. Quand mes parents baoulés ont suffisamment épuisé le sol à Bokana pour le sol n'est plus fertile, ils vont en direction de l'ouest. Et vous, vos parents à l'ouest, gracieusement, offrent la terre aux autres. 1 hectare de terre. 5 hectares de forêt sont prises par une bouquet de vie. La terre est précieuse. Et dans les parties du monde, la terre vient des peuples en conflit. Donc un peuple qui donne la terre cadeau à d'autres, c'est un grand peuple généreux qu'il faut respecter. Il faut respecter. Et je le dis devant tout le monde. Et donc quand ce monde-là vous a permis d'avoir de la terre pour gagner votre vie, la première chose à faire, c'est de respecter leurs valeurs, leurs coutumes, leurs vues et de respecter leurs vues. Mais en même temps, je dis à mes parents, ouais, quand vous devez donner la terre à un seul homme, à un Baoulé, même à un Burkinabé, ça ne fait pas de vos esclaves non plus. Autant, ils doivent vous respecter. Autant que possible, devait la respecter et ça ne désespère plus bien que l'aide, la considération, la paix et la cohésion en tant que. Et il y a beaucoup de situations, on ne va pas rester éternellement dans la vertu
rappeler toujours ce vieux passé, ce souvenir douloureux. Nous avons un pays à préparer, non même plus pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Quand je suis rentré, pour nous faire encore vie, quand je suis arrivé à mon enfant, c'est pour eux là que nous nous parlons. Nous ne devons pas nous donc, il y a eu la guerre. C'est vrai, il y a eu la guerre. On ne peut pas rester indépendant à la police qui est la guerre. Il faut aller là. Il faut passer là. Donc, je suis venu ce soir pour rencontrer vous, web de France, web de la diaspora. Ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale en Côte d'Ivoire va organiser le 15 novembre prochain à Diokwe et à Diokwe. Et donc, c'était mars, mettez-moi le petit comité pour travailler sur la question. Et puis, si un mois maximum, faites-moi parvenir vos propositions. Alors, qu'est-ce que c'est? Si, par exemple, il n'y a pas un mois, quand le président Bako partait à Diokwe, une affaire de Stel a failli créer des problèmes. Si c'est Stel, c'est nos parents, ouais. Veulent qu'on construise pour qu'ils oublient la guerre, mais dites-nous. Mais l'Estelle là, ça a un coût. Quand vous m'avez dit, moi je vais au Conseil des ministres, je propose ça. Une fois que c'est adopté, c'est l'État qui envoie des entrepreneurs pour aller bâtir l'Estelle. Mais il n'y aura pas d'Estelle de PACI, d'Estelle RHDP, d'Estelle de Baoulet sous les mêmes cadavres. Qu'est-ce que je veux dire? Si tel est que c'est stèle qu'on veut bâtir, on bâtira deux ou trois stèles, mais nous tous ensemble, et on va écrire ce qu'on veut écrire là-dessus, mais des choses qui nous rappellent, certes, ce passé douloureux, mais qui nous rassemblent. Voilà ce que je crois que nous devons faire. Moi, j'ai été dans le Guémois avant-hier. J'ai vu des femmes veuves. J'ai vu des femmes, des choses que je n'ai pas rappelées ici. J'ai vu des gens qui vivent encore avec les balles dans leur corps. Mais il y a du travail à faire. C'est dans l'union, dans le pardon, dans la solidarité que nous pouvons penser nos plaies et envisager notre avenir ensemble. Donc, chers parents, où est la diaspora? Au lieu d'écrire les choses sur Facebook, envoyez-les-moi au ministère. Hein? Envoyez-les-moi au ministère. On va faire des projets qu'on va réaliser pour le bonheur de nos parents qui vivent dans le Guémois. Voici le message que je suis venu vous délivrer ce soir. Voilà, chers parents. Demain, à 14h, je vais m'adresser à l'ensemble des Ivoiriens qui vivent en France. Si je voulais m'adresser aux militants du RHDP, j'allais leur dire, envoyez vos militants, et puis eux et moi, on va parler. Mais je veux rencontrer tous les Ivoiriens qui vivent en France, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PPACI, qu'ils soient FPI, qu'il soit PDCI, qu'il soit même la société civile. Voilà. Que pensons-nous en France de la réconciliation? Parce que la diaspora, elle a de l'importance à nos yeux. Les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, sont des Ivoiriens, ils sont importants. Votre sœur, votre grande-sœur Anne Wurodo, a proposé avant-hier, en plein conseil des ministres, que désormais tous nos enfants, partout où ils sont, participent à tous les concours, au plan national. Quand vos enfants peuvent faire le concours maintenant, et puis rentrer en Côte d'Ivoire s'ils sont admis. Donc, nos parents, qui sont de plus en plus très nombreux à l'extérieur, nous avons besoin de tenir compte de leur avis. Et demain, je souhaite qu'on se retrouve, on va parler. Tout le monde aura la parole demain. Moi, je viendrai avec un mic pour écrire, pour prendre note, parce que je ne veux pas échouer. Je veux que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Je veux que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix. Je veux que la Côte d'Ivoire se relève et qu'on la baptise pour nos enfants pour demain. Je vous attends demain à 14h. Que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée. Demain, de 14h.
14h à 20h avant que mon aîné Guy Bogo ne termine. Monsieur le ministre. Delmas, comme c'est une soirée gala, c'est ça, non? Un dîner gala. C'est ça? Pas dîner, je crois. Non, c'est pas grave. Moi, ce que je mange, il n'y en a pas ici. Je mange combo grillé. Est-ce qu'il y a combo grillé ici? Y a zin? Non, prenez ça de Yakuba. Prenez ça de Yakuba. Non, en pays ouest, c'est le combo grillé, c'est le zin. C'est pas ça? C'est ça que je mange avec Madame Gouli. Bon, Delmas. C'est juste ma petite contribution pour aider à régler les cachets des artistes. Ça fait 1000 euros. Hein, 1000 euros, ma contribution. Voilà. Nous attendons que. On va dire à demain. Bonne soirée, bonne fête. Je vais parler un peu. Ah ouais. Merci beaucoup. Vous avez tout à l'heure tout dit. Vous l'avez dit. Et donc, pour le moment, nous avons un document à remettre au ministre de la Réconciliation que vous êtes. Monsieur Néan, s'il te plaît. Merci, Monsieur le Président, ou mon Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire... Vous avez raté quelque chose. Parce que tout ce que vous venez de nous dire ici, on l'a dit ce matin devant notre sœur en lui disant de porter devant vous et avec vous les résolutions que les Ouais dans leur entièreté ont arrêtées suite aux recherches effectuées, notamment sur les causes des crises successives que traversent nos deux régions. Vous êtes notre voix et nous avons fait une doléance au président de la République parce que c'est lui qui a la plume, qui décide. Au président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, nous savons que vous êtes un homme de droit, de principe, mais nous vous demandons de surseoir, tant soit peu, à l'immatriculation des terres qui, selon la loi, a commencé depuis 2013 et qui devrait prendre fin normalement en 2023. Et en le disant, aujourd'hui avec notre sœur et vous, Monsieur le Ministre, nous allons nous retrouver dans une démarche participative pour mettre en place une résolution concrète. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Il y a beaucoup de blancs.